Quel match, quelle partie d'assaut nous attend. Ça fait déjà un moment que tout le monde en parle. On est content d'y être enfin. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi. Qui va remporter ce grand match? Coup d'envoi dans quelques instants. Salut à tous, nous sommes heureux de vous accueillir en direct du Civitas Metropolitano. Ici Benjamin Da Silva, accompagné de celui que je considère comme mon tonton, le grand Omar Da Fonseca, pour vous immerger dans ce match, avec une rencontre qui nous promet un match de haute qualité. Sacrée atmosphère en tout cas, on est servi. Ça dépend du point de vue, et aussi surtout des intentions et des désirs de l'équipe. Morata. Super le réflexe du gardien. Une parenthèse pour évoquer Antoine Griezmann, l'attaquant français, qui est vraiment un grand joueur. Voilà, on connaît sa capacité à... On parle, mais attention, quelle occasion. Et c'est au fond, le premier but de la rencontre, largement mérité, après une nette domination. Faire reculer ton adversaire, l'empêcher de respirer jusqu'à ce qu'il perde ses repères. C'est ça qui amène le but. Bonne possession offensive. Marco Llorente. Bonne intervention du gardien. La partie est très serrée. C'est... Et oui, ça c'est de l'action. Et oui, voilà. C'est dedans. Et une situation qui amène ce nouveau but et creuse encore l'écart. L'avance est confortable. Voilà ce qu'on appelle casser des lignes. Cette passe en profondeur, c'est elle qui vient éliminer le dernier rideau défensif. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Griezmann, il peut frapper Morata. Ah, le bon réflexe là. Ça va vers le point de pénalty. C'est dégagé ce ballon. Mario Hermoso reçoit la balle. Un ballon sur la transversale, attention! Alvaro Morata. Oui, c'est bien fait, il est passé. Ah, il peut frapper Morata. Et but, ça y est! C'est réussi, le doublé! Sa forme est éblouissante, son efficacité insolente. Deux buts marqués, et ce n'est pas fini. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Et à la conclusion, un ballon à jouer assez proche de la cage. Il ne manque qu'un coup de soufflage pour marquer le but. Et le tir. Oh, la volée était bien partie. Mais elle est manquée de peu. Face à face avec le gardien. Antoine Griezmann à la réception. Goal, 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 goal. Et encore un, et ce but vient alourdir un peu plus le score. Plus 4 au tableau d'affichage. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Dernier danger là avec Griezmann. Et oui, c'est dedans. Et c'est son troisième but dans ce match. Quelle performance, quel exploit. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Bon travail sur l'aile pour toucher le bloc adverse. Et la bonne transmission dans l'espace. Et le but, ce but en fin de match pour tenter de recoller un petit peu au score.
mais c'est sans doute trop tard pour combler leur retard. On la revoit, cette passe à la limite d'hors-jeu qui vire offrir une excellente situation de but. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bruit du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. La fin de cette rencontre, l'arbitre siffle la fin donc du match avec une victoire pour l'Atlético de Madrid. Et oui, quel match, quel succès! La victoire se laisse séduire par le talent, c'est le plus beau des spectacles.